Je souhaite que l'histoire, tout en devenant plus scientifique, puisse demeurer un art. Cette belle phrase de Jacques Le Goff, en préface de son livre Pour un autre Moyen-Âge, résume bien le dilemme de l'historien. Il fait œuvre de science, mais ne peut pourtant pas complètement faire abstraction de son imagination. Cette phrase, qui peut s'appliquer à toute période historique, fait encore plus sens lorsqu'on se penche sur les causes de la chute de l'Empire romain d'Occident et sur la réalité du Moyen-Âge qui l'aurait suivi. C'est à travers le livre de Pierre Richet, Éducation et culture dans l'Occident barbare, que je vous invite à venir découvrir cette période passionnante. Pour cela, rejoignez-nous lors de notre prochaine séance des braconniers le mardi 13 novembre. Nous essayerons de répondre à la question « Le Moyen-Âge a-t-il vraiment existé ?» ou, plus largement, « L'histoire que nous lisons n'est-elle que le reflet de l'époque qui l'a écrite ?»